C'est avec fierté que nous fêtons les 62e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale. Donc, on est en joie, c'est une grande joie pour nous de fêter notre 62e anniversaire. Et je souhaite aussi une bonne fête à toutes les filles et à tous les fils d'Adjara et de tout le Bénin. Je remercie le chef de l'État parce que vous avez vu depuis 2016 qu'il a pris le pouvoir. Vous avez vu la mutation que le Bénin a connue. Parce que si tous les prédécesseurs du président Talon avaient fait un tiers de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, je crois qu'on ne sera plus à cette étape de 1960 que nous avons accédé à l'indépendance. Et jusqu'à 2016, vous avez vu comment le pays était géré, comment était développé le pays. Mais à partir de 2016 jusqu'à aujourd'hui, 2022, vous avez vu l'effort, ce qui est fait dans tout le pays. Donc, c'est avec la joie que nous disons un grand merci au chef de l'État pour ce qu'il fait dans tout le pays, du Nord jusqu'au Sud. Vous allez remarquer que le pays est en chantier. Il y a assez de réformes qui s'opèrent dans tous les domaines. Donc, ces réformes ont permis un réel développement pour notre pays. Donc, on ne peut que le remercier et l'encourager qu'il continue dans le même lancer parce que nous sommes là à la base. Nous sommes là pour le soutenir, pour l'accompagner. C'est un devoir pour nous de l'accompagner dans ces réformes.